Vinicius, c'est un joueur qui est gros favori pour Ballon d'Or 2024 là. Et là, on ne pas de fait, c'est dit que, ah, regardez quel joueur non a cité pour Ballon d'Or, pendant quel autre joueur pas Ballon d'Or. Et puis, si vous comparez saison de Ballon d'Or avec saison tel autre joueur sur pour Ballon d'Or, c'est le jour et la nuit en termes de statistiques. Focaliser sur ça, c'est pas garder réalité hein, que chaque année, il y a une réalité pas là. Chaque année, il y a un contexte pas là. Chaque année, il y a un affaire pas là. Qui fait que vous êtes obligé focaliser sous année en question, sous joueur en question, hein? Si on parle non logique comparaison, vous dites tel joueur était ballon d'or avec tel chiffre, ou bien pas de ballon d'or avec tel chiffre, tel joueur saute pour ballon d'or avec tel chiffre. Non. C'est garder réalité. Réalité, c'est qui ça? C'est que Vinicius était très bon avec Real Madrid dans la deuxième partie. Saison, hein? Real Madrid gagne la Ligue des Champions. Maintenant, prestation Vinicius avec Brésil, c'est. C'est scandaleux. Et c'est là où même comme on regarde le football, on dit bagaille en janvier. Papa, allez vous faire mon plaisir. Dit bagaille en janvier. Moi, parler de Dorival qui pas une dimension, mais pas une dimension pour le montrer ça. Mais sous garde de Vinicius, 40 boules touchées. 83% passe précise. Il perd du 14 ballons. Souprend match ça. Il rentre dans l'ignée. Mauvais match. Que le toujours, dans la majorité des cas, joue avec Brésil. Parce que là, on n'a pas de nouveaux joueurs qui sont capables de ballon d'or, qui sont route pour gagner. Un ballon d'or pour Brésil après 2007, donc 18 ans, 17 ans après. Quand on a swap des productions joueurs dans Brésil, c'est misérable. C'est misérable. Joueurs ça l'un dans Brésil, les mêmes gens. À presque tout joueur dans le Brésil qui va gagner niveau. Pour montrer que yo digne pour jouer pour la sélection brésilienne. Vinicius, c'est pour ça lié. Parce que si on compare temps à temps, yon nan joueur ça va pas digne, non, pour jouer au Brésil, parce que va jamais montrer rien. Ou bien yon montre un petit bagage par moment. Pour jouer au Brésil, Brésil qui s'est représenté, hein, ce n'est pas par moment. Et je dis à Vinicius, son joueur de classe mondiale. Vinicius n'a pas jamais enchaîné avec Brésil, il n'a pas jamais répété. Prestation, yo, match après match. Donc, c'est chaque 10 matchs où je joue un bon match pour Vinicius, mais chaque 12 matchs où je joue un bon match pour Vinicius dans le Brésil. Pas de référence. Kounye là, si nous disons, OK, il n'y a pas à jouer, mais. Qui ça paragouye jodi an la nan boule? Pas reprendre yé jodi an nan boule. Al focalise pour 10 matchs paragouye son match référence. C'est cracher sous sa kon kwe monsieur capable bay comme potentiel. Pour qui ça m'baga jouen sa yo contre Colombie? Contre Uruguay? Contre Argentine? C'est là qu'on va parler de référence. Vinicius pas jamais gen ça. Vinicius continue à moyenne 3 sous 10 li dans Brésil. Moyenne 3, c'est parce que là, oui, parce que Sénégal fait acte de présence. Il y a une moyenne. Après match contre Paraguay, il passe à côté contre Colombie. Là, il prend carton, il va jouer à la finale. Premier match éliminatoire au Brésil, après Copa América, pour l'autre élément responsable échec Brésil, c'est vrai, Brésil bat une victoire importante, mais ou même, ou pas sorti du lot, ou t'es exécrable dans la performance. Parce que là, Vinicius a 24 ans.
dans tout gros joueur Brésil ou bien gros joueur sélection brésilienne nan, qui était dans logique classe mondiale. C'est Vinicius qui peut que jamais jouer un match référence pour pays. Dans tout gros joueur Brésil à 24 ans que non que était un joueur de classe mondiale. C'est seul Vinicius qui peut que jamais un gros match qui digne de un grand joueur brésilien. Bon match, mais match crack jamais. Ligue 24 ans. Mais c'est pathétique que Vinicius en dans équipe qui pas jouer rien, lui même il pas jouer rien, public l'a sifflé parce que ça public l'a gardé pas contenté de résultat. Il voulait résultat de belle joute parce que c'est Brésil, c'est comme ça, on était toujours gagné comme pays. Car Vinicius continue compliqué. Rodrigo fait point sur Vinicius dans le Brésil. Encore une fois, Rodrigo passe à côté pour sélection brésilienne. Non? On dit Vinicius passe à côté pour sélection brésilienne. Non? Rodrigo était bon. Vinicius passe à côté pour sélection brésilienne. Non? Mais, aspect important, ou pas capable de négliger victoire ça. Parce qu'après victoire ça, Brésil sorti du 6e place là à 4e place là. Et soit prend de première place là à 7e place là, c'est seul Brésil avec sélection Argentine là qui fait victoire dans journée ça, l'on prend de première à 7e place là.